Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe avec Orange. Amis de la connaissance et du savoir, bienvenue dans Génie en herbe. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver à l'occasion de ces matchs entre deux établissements. Ils nous viennent de loin, ils viennent de Mans et ce sont les candidats du lycée moderne de Mans. De l'autre côté, nous avons les filles du lycée Mamie aux Fouettes Fêtées de Bingerville. Nous allons passer aux présentations. Je suis Amani Amelan-Marie-Joseph. Je suis élève en terminale D6 au lycée Mamie Fêtée de Bingerville. Je me nomme Aya Zeynab Noura, élève en classe de terminale C au lycée Mamie Oufou Fêtée de Bingerville. Je m'appelle Effie Marie-Elisabeth, élève en première C au lycée Mamie Oufou Fêtée de Bingerville. Mon nom c'est Undosude Jemima Andrea, élève en classe de première A1 au lycée Mamie Oufou Fêtée de Bingerville. Et je me tourne du côté de ceux qui viennent de Mans. Mon nom c'est Zana Ange Aurel. Je suis en première A2 au lycée moderne de Mans. Diallo Abdoulaye, du lycée moderne de Mans, en classe de terminale C. Je m'appelle Agama Adou Massim. Je suis élève au lycée moderne de Mans, en classe de première C. Je me nomme Diallo Mohamed, élève en terminale C au lycée moderne de Mans. Alors, nous allons passer, avant les vrais jeux, au test traditionnel des cris de guerre. Mamie fêtée, formidable. 1, 2, 3. L'écueil, la joie, même le succès. Nous allons tout de suite découvrir ce que ça donne derrière les écrans tactiles. C'est parti. Allez, c'est parti pour le premier jeu. On joue donc aux images éliminatoires. Le principe de ce jeu, il s'agit donc d'un jeu par équipe. Je vais vous poser une question et je vais vous demander de toucher sur votre écran tactile l'image qui correspond à votre réponse. Réflexion de 5 secondes et pour les 3 suivantes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. En termes de points, la première bonne réponse vous rapporte 20 points. Les 3 suivantes rapportent chacune 10 points. La première question, top chrono. Touchez l'organe qui concerne le dermatologue. Je vais maintenant vous demander de toucher l'organe qui concerne le néphrologue. Touchez maintenant l'organe qui concerne l'hépatologue. Le temps est écoulé maintenant pour terminer. Touchez l'organe qui concerne le cardiologue. Nous avons 20 points du côté du lycée Mamie Fêtée et 40 points pour les garçons du lycée moderne de Mans. Ils laissent la place au deuxième jeu. Il s'agit de l'association d'images. Vous avez 20 secondes pour faire ces associations et vous avez 10 points par bonne réponse. Il va falloir associer les ponts au drapeau de leur pays d'origine. Top départ. Nous sommes à 40 points du côté du lycée Mamie Fêtée et 70 points du côté du lycée moderne de Mans. On passe tout de suite au troisième jeu. Il s'agit de l'association images et textes. Je vous donne le top départ. Il va s'agir de relier ces personnages historiques à leurs photos. Et voilà donc notre top qui annonce la fin du temps. Alors, est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas attentifs lors des cours d'histoire? Parce que c'est à cela que ça sert, pour reconnaître Malcolm X, Ahmed Sokarno. Allez, on va faire un rapide point sur les scores. Nous sommes à 70. Du côté des filles, on est bien remonté. Et puis, du côté des garçons, on est à 80. Il ne reste plus que 10 petits points d'écart entre nos deux établissements. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous allons donc commencer avec les questions éclairs. Le principe, 8 questions individuelles. Vous avez 5 secondes pour répondre à cette question. Il y a 10 points
par question. Et nous allons donc démarrer avec, pour Marie-Joseph, à quel pays est rattachée l'île de la Réunion ? À la France. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points pour Zeynab. Je suis à Mombasa, dans quel pays est-ce que je me trouve ? Je suis au Kenya, Zeynab. Question pour Marie-Elisabeth. Nous allons parler des Seychelles. C'est un archipel de 116 îles. À quel pays sont rattachées les Seychelles ? Au Cap-Vert. Marie-Elisabeth, les Seychelles sont un État indépendant. Ils ne sont donc rattachés à aucun pays. Question pour Andrea. Je vais vous demander d'épeler décemment. D-E-S-C-E. M-M-E-N-T. Andrea, décemment ne s'écrit pas avec S, mais avec C. Nous poursuivons ces questions éclairs avec l'équipe adverse en Jorel. Quelle est la capitale de l'Ukraine ? Kiev. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Pour Abdoulaye, quelle est la langue officielle de la Mauritanie ? L'arabe. Vous marquez 10 points. Question pour Adoubekan. Quelle est la monnaie de la Guinée-Bissau ? Le franc CFA. Vous marquez 10 points. Enfin, Mohamed, à quel pays sont rattachées les îles Canaries ? La France. Il fallait répondre l'Espagne. Voilà pour ces questions éclairs. On fait un rapide point sur les scores. Nous sommes à 110 points. Du côté du lycée moderne de Mans et 80 points pour les filles de Bingerville. Nous jouons donc à l'acrostiche régulier. Il s'agit d'un jeu collectif. Vous allez devoir trouver cette définition. Pour vous aider, je vais vous donner un mot-clé. Ce mot-clé, eh bien, est composé de plusieurs lettres. Chaque lettre sera l'initiale des mots correspondant aux définitions qu'il va falloir trouver. Chaque bonne réponse vaut 10 points. C'est donc parti avec ce mot anémie. Top, première définition, nous cherchons un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Marie-Elisabeth. Anxiété. C'est une bonne réponse. Vous marquez donc 10 points. Deuxième définition, en 9 lettres. Nous cherchons un nuage de gaz de poussière interstellaire. Oui, Marie-Elisabeth. Nébuleuse. Une nébuleuse. Vous marquez 10 points. C'est une bonne réponse. Nous poursuivons avec la troisième définition. Capacité de comprendre, de ressentir les sentiments ou de se mettre à la place d'une autre personne. Oui, Anjorel. Empathie. Oui, c'est l'empathie. Vous marquez 10 points. Quatrième définition. Nous cherchons un personnage imaginaire dont plusieurs traits correspondent à un idéal humain, un modèle exemplaire. Il s'agissait du mythe. En 9 lettres, je vous demande l'état d'une chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originel. Oui, Marie-Joseph. Incorrosif. Incorrosif, c'est une mauvaise réponse. Réplique, Abdoulaye. Inchangé. Non, ce n'est pas incorrosif, ce n'est pas inchangé. Nous cherchions intégrité. En 5 lettres, ce que l'on risque dans un jeu, en particulier une somme d'argent et qui revient au gagnant. Oui, Anjorel. Enjeu. Enjeu, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Nous cherchons une personne qui a une parfaite ressemblance avec une autre. Au point, oui, Andrea. Sosie. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Voilà pour cet acrostiche régulier. On est à 110 du côté du lycée Marie Fété de Bingerville. 130 du côté du lycée moderne de Mans. Nous passons à notre deuxième acrostiche. Il s'agit de l'acrostiche terminale. Le principe est exactement le même que l'acrostiche régulier. Simplement, notre mot-clé se trouve en fin de mot. Je vous donne le mot-clé. Il s'agit de sabayon. Le sabayon est une spécialité italienne, un entremets sucré composé d'une base de crème, de jaune d'œuf et de vin doux. C'est parti. Première définition. En 3 lettres, nous cherchons un liquide extrait de la chair de certains fruits ou légumes. Oui, Andrea. Le jus. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 7 lettres, nous cherchons une danse d'inspiration brésilienne avec ondulation des hanches et des épaules. Adoubekan. La samba. Réplique. Oui, Andrea. La capoeira. Ce n'est ni la samba, ni la capoeira qui est un art martial, c'était plutôt la lambada. En 6 lettres, nous cherchons un gros arbre des régions chaudes d'Afrique. Marie-Joseph. Le baobab. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, donnez-moi ce pays d'Amérique du Sud.
Guatemala. Réplique, Marie-Joseph. Nicaragua. Ni Guatemala, ni Nicaragua. Nous cherchions un nom en A, effectivement, le Venezuela. Cinquième définition en quatre lettres. Je vous demande un ensemble de personnes chargées de juger des œuvres ou de décerner. Oui, Marie-Élisabeth. Jury. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Nous poursuivons avec cette catégorie de voix la plus élevée de l'enfant et de la femme en 7 lettres. Marie-Élisabeth. Alto. Non, réplique. Nous cherchions soprano. En 6 lettres, je vous demande le titre de ce souverain musulman. Nous cherchons le titre d'un souverain musulman. Oui, Mohamed. Imam. Réplique. Marie-Joseph. Sultan. C'est une bonne réponse. Sultan, vous marquez 10 points. Voilà donc pour cet acrostiche terminal. Défi du lycée Mamie Fêtée de Bingerville. Vous êtes donc à 150 points. Les garçons qui en face sont à 130 points. Nous allons poursuivre et tenter de rattraper tout cela avec notre épreuve de calcul. Mais juste avant, je vous propose d'en découvrir un tout petit peu plus sur nos candidats. Avec donc cette sympathique équipe qui nous vient donc du lycée Mamie Fêtée de Bingerville. On va commencer avec vous, Marie-Joseph. Quelles sont vos matières de prédilection à l'école? Le français et l'histoire-géographie. En termes de distraction, qu'est-ce que vous aimez faire? J'adore la lecture. La lecture? Qu'est-ce que vous lisez? Un peu plus la littérature africaine, telle que Kamara Lai ou Amadou Kourouma. Vous nous avez dit, alors que vous aimiez manger, que je me rappelle, ragoût de pommes de terre avec des spaghettis, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez des origines un peu italiennes, quelque part? Non? Bon. On passe à vous, Zeynab. Quelles sont vos matières de prédilection à l'école? Madame, on a les mathématiques, la physique et la chimie. Vous aimez bien le pop, la R&B, la musique zouglou, c'est ça? Vous aimez bien regarder les chaînes musicales? Oui, madame. Vous êtes plutôt foot ou banane, sauce graine, c'est ça? Oui. Bon appétit sur ce plateau de génie en herbe. Alors, Marie-Élisabeth, qu'est-ce que vous aimez? Alors, dites-moi, quelles sont vos matières de prédilection? Les mathématiques. Les mathématiques et? Et l'anglais. Vous aimez bien les films d'action aussi, les films de suspense? Oui. Vous nous avez dit que vous aimez les pommes de terre sous toutes les coutures, sous toutes les facettes. Formes. Andrea, alors vous, vous êtes une adepte de la chimie, de l'anglais et aussi des arts plastiques. Oui, j'adore les arts plastiques parce que ça me permet de défouler mes émotions. Vous aimez la danse, vous aimez aussi la musique classique. Alors, par contre, votre histoire de farine de maïs, là, est-ce qu'on peut revenir dessus? C'est kabakwa? Kabato. Kabato, c'est ça même. Avec la sauce gombo et puis vous aimez aussi la salade de fruits. Oui. Bon, et bien voilà. Merci de rester avec nous sur Génie en Herbe. On se retrouve tout de suite après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petite amie 2 ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenir mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, eu mon cœur brisé en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée, et devinez quoi? Elle m'a suivi aussi. Retour sur le plateau de Génie en Herbe. Tout de suite, nous passons donc aux questions de calcul. Le principe, il y a 4 questions. Vous allez devoir répondre. Les questions sont collectives. Vous marquez 10 points par bonne réponse. Nous avons entre parenthèses 48 plus 12 multiplié par 0,1. Je vous demande la réponse. Marie-Élisabeth. 6. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je vous demande la racine carrée de 900. Marie-Élisabeth. Adobécan, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel est le plus petit des entiers naturels? Adobécan. 0. C'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel est le plus grand nombre de 3 chiffres que l'on peut composer avec les chiffres 1, 3? Marie-Joseph. 1, 3 et 5. 3051. 531. Bon, personne ne marque 2 points. La réponse, c'était 531. Nous attaquons le sprint poursuite. Le principe du sprint poursuite, il y a 8 questions qui sont individuelles. Ces 8 questions seront suivies de 8 autres questions qui, elles, seront collectives. Premier qui pense avoir la réponse buzz. En cas de bonne réponse, vous marquez les points. Si ce n'est pas une bonne réponse, il y a la réplique pour l'équipe adverse. Vous avez la possibilité de marquer au total 160 points. La première question pour Marie-Joseph. Quelle est cette reine africaine qui subjugua le roi Salomon par sa beauté? La reine Cléopâtre.
C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre Makeda ou la reine de Saba. Zeynab, quel est le roi que l'on surnommait le roi requin en Afrique occidentale? Il s'agissait du roi Béanzin Océ Boélé. Marie-Élisabeth, quel est le nom du roi d'Espagne? Felipe VI. C'est une bonne réponse. Vous marquez les points. Andrea, quel roi ghanéen, mort en 1717, a pu unir plus de 6 nations différentes sous sa conduite? Il s'agissait de Seyi Toutou. Bonjour elle. Comment appelle-t-on la petite lance inventée par le roi Tchaka Zoulou? Bonjour elle, il fallait répondre à la sague. Quel est le nom, question pour Abdoulaye, de la ville sur laquelle régna Toutankhamon après être devenu pharaon à 9 ans? Il fallait répondre à Akhetaton. À Doubekan, en quelle année la reine Fabiola de Belgique est-elle décédée? En 2013. C'était en 2014. Et enfin, question pour Mohamed. Quelle fut la première activité de Samori Touré? C'était le commerce. Nous en avons terminé avec les questions individuelles. Pour ces questions qui sont collectives, tout le monde joue. Attention, le roi Juan Carlos Ier a abdiqué en faveur de son fils le 18 juin 2014. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Anjorel. Vrai. C'est une bonne réponse, vous marquez les points. Comment s'appelle le frère de la reine Abla Poku qui la devança dans leur fuite avec des guerriers et une partie de la tribu? Oui, à Doubekan. Desmond Tutu. Il fallait trouver Bella. Pas vraiment un guerrier, Desmond Tutu. Hein. Qui est Tafari Maikonen? Qui est Tafari? Oui, à Doubekan. Un chanteur. Ah non, ce n'est pas un chanteur, c'est le roi Haïlé Sélassié. Nous poursuivons. Qui succéda au roi Hussein de Jordanie en février 1999? Mohamed. Le roi Abdallah II. C'est une très bonne réponse, vous marquez les points. Sur quel royaume règne le prince Salman depuis 2015? À Mohamed. Arabie Saoudite. C'est une très bonne réponse, vous marquez les points. Quel est le titulaire actuel de la monarchie constitutionnelle des Pays-Bas? Oui, Albert Andrea. II. Répétez. Albert II. Non. Est-ce que ça bouge du côté de la réplique? Le titulaire actuel de la monarchie constitutionnelle des Pays-Bas s'appelle Willem Alexander. En 2015, quelle est la personne qui a le troisième rang dans l'ordre d'accession au trône britannique? Oui, Marie-Joseph. George. C'est une bonne réponse, vous marquez les points. Dernière question, elle a accédé au trône le 6 février 1952. De qui s'agit-il? Mohamed. La reine Elisabeth II. C'est une bonne réponse. Un sprint poursuite qui laisse entrevoir des choses très sympathiques. On va faire un point sur les scores. Nous sommes à 180 du côté du lycée Mamie Fêtée de Bergerville et à 190 du côté du lycée moderne de Mans. C'est serré. Restez concentrés avec ce jeu, celui du mot décalé. Le principe du mot décalé, je vais vous demander de trouver quatre mots dont les lettres ont été déplacées dans l'alphabet d'un rang, soit vers la droite, soit vers la gauche. Chaque mot trouvé vaut 20 points. Vous avez 5 secondes pour réfléchir sur chaque mot. Nous commençons avec le premier mot décalé. Voici les lettres B, S, D. Zeynab. Ate. Est-ce que vous pouvez épeler? A-T-E. Réplique? Arc. Abdoulaye, c'est une bonne réponse. Vous marquez donc 20 points. Deuxième question. Voici les lettres. B, S, U. Je vous demande le mot. Oui, Marie-Elisabeth. Ar. Bonne réponse. Vous marquez 20 points. Question suivante. Voici les lettres. O, N, S. Oui, à Bouécan. Po. Oui, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici le dernier mot à trouver. B, N, N et K. Oui, à Doubekan. Une. Quand.
Réplique, Zainab. Cool. Cool, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je rappelle que nous sommes en compagnie d'Anjorel, d'Abdoulaye, d'Adou Bekan et de Mohamed. Alors, on va commencer avec vous, Anjorel. Vous, votre matière préférée, c'est ? Le français et la philosophie. La philosophie. Alors, qui est-ce que vous aimez en philosophie ? Il y a un philosophe que vous admirez particulièrement ? Oui, Friedrich Hegel. Vous avez des sports, de la musique que vous aimez, des choses comme ça ? Bon, le sport particulièrement, je pratique le cyclisme. Je me suis laissé dire que vous aimiez beaucoup la tchéquée poisson. Oui, particulièrement. Et alors, Abdoulaye, vous aimez aussi le foot ? Oui, oui. Le Real Madrid, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, je ne vais pas vous demander qui est votre joueur préféré. C'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Eh ben voilà. Et puis sinon, alors vous aimez le foot banane et la sauce graine, c'est oui. ça ? Oui, c'est ça. Adou Bekan, vous dites-moi, quelles sont vos matières préférées ? Les maths et la physique chimie. Vous aimez aussi la lecture, on m'a dit. Oui. Qu'est-ce que vous lisez ? Les romans de Mpateba et Kwame Oramadou Kourouma. Vous aimez aussi le foot ? Vous supportez oui. le Barça. Donc votre joueur préféré, c'est ? Lionel Messi. Eh bien voilà, Messi, bien évidemment. Mohamed, vous êtes mathématiques, physique, chimie. Oui. D'accord. Sinon, vous aimez aussi le basket. Vous êtes un fervent supporter des Lakers, c'est ça ? Oui. D'accord. Et vous aimez manger la tchéquée avec du poisson. Oui. D'accord. Bon, eh bien voilà. On va passer à l'avant-dernier jeu. C'est le vide à remplir. Alors, vous êtes prêts ? Je vais vous demander de me trouver deux expressions sur la base de deux phrases. Dans ces deux phrases, il manque un mot dans chaque phrase. Vous allez devoir trouver ces mots pour me donner une expression. Vous avez un temps de réflexion de 5 secondes et que chaque bonne réponse vaut 20 points. C'est parti pour la première expression. Les phrases sont les suivantes. La couleur de Zorro est noire. Ils ont peut-être perdu la guerre, mais ils ont gagné une. Je vous demande l'expression. Anjorel. Bataille masquée. Réplique. Andrea. Masque de bataille. Ce n'est ni bataille masquée, ni masque de bataille, puisqu'il fallait trouver cheval et bataille. Voici les deux phrases. Il y en a tous les goûts. Selon Napoléon Bonaparte, c'est l'imagination qui le monde. Andrea. Pour ta gouverne. Pour ta gouverne, c'est une bonne réponse. Vous marquez donc 20 points. Nous faisons un petit peu le point sur les scores après ce jeu des vides à remplir. Nous avons 240 points du côté des filles du lycée Mamie Fété de Bergerville et nous sommes à 230 points du côté du lycée moderne de Mans. Et nous allons attaquer ce sprint final. Le principe. 16 questions. Le premier qui pense avoir la réponse appuie sur le buzzer. Si c'est une mauvaise réponse, le droit de réplique va évidemment à l'équipe adverse. Chaque bonne réponse vaut 20 points. Cela dit, hélas, pour vous, cher candidat, chaque mauvaise réponse vaut moins 20 points. C'est parti, nous sommes dans les spécialités culinaires et les boissons. Voici la première question. Quel est le nom de cette viande de bœuf ou d'autruche découpée en fines lamelles puis séchée ? Nous cherchons une viande consommée en Afrique du Sud, si cela peut vous aider. La réponse était bitong. Question suivante, la bobotie est un plat traditionnel israélien, vrai ou faux ? La bobotie n'est pas un plat traditionnel israélien, c'est un pâté d'Afrique du Sud. Question suivante, comment appelle-t-on une tarte aux pommes renversée ? La réponse était la tarte tatin. Question suivante, quel est le nom de cette sauce béninoise à base de tomates, d'oignons et de piments ? Andrea. Réplique. Rien du côté de la réplique, il fallait trouver la sauce moyo. Faites attention quand vous buzzez, vous avez moins 20 points, Andrea. La tortilla est un dessert espagnol. C'est vrai ou c'est faux ? Marie-Joseph. C'est vrai. C'est faux. Prochaine question. Comment appelle-t-on la cuisson d'une viande lorsque la chair est rouge à cœur ? Comment appelle-t-on cette cuisson ? Il fallait répondre bleu. Le cococha est une pâte de banane plantain obtenue broyée dans un mortier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il fallait répondre vrai. Quel est le nom traditionnel en Côte d'Ivoire du ragoût de volaille ou de poisson par cuisson étouffée ? Je veux des réponses. Marie-Joseph, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Question suivante. La maroula est une boisson équato-guinéenne. C'est vrai ou c'est faux ?
Il fallait répondre faux aux questions suivantes. Comment appelle-t-on la boisson onctueuse et mixée, réalisée à partir d'ingrédients naturels et frais, le plus souvent avec de la glace pilée? Oui, Marie-Elisabeth. Milkshake. Pas de réplique. Il fallait dire smoothie, Marie, et pas milkshake. Question suivante, comment appelle-t-on la boisson frappée à base de lait? Andrea. Milkshake. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Question suivante, qu'est-ce qu'un chapon? Un chapon est un jeune coq châtré avant d'être engraissé ou en cuisine. Que veut dire citronner la surface d'un aliment? Que veut dire citronner la surface d'un aliment? Simplement frotter avec du citron pour éviter une oxydation au contact de l'air. L'omble chevalier est un poisson d'eau douce de la même famille que le saumon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il fallait répondre vrai. Question suivante. Comment appelle-t-on ce type de cuisson où l'on fait cuire indirectement un aliment dans un récipient, lui-même posé dans un autre rempli d'eau et maintenu à une température, Marie-Elisabeth? Bébé-Marie. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dernière question. Comment appelle-t-on la boisson à base de rhum mélangée à de l'eau chaude? Boisson à base de rhum mélangée à de l'eau chaude. Il fallait répondre le grog. Et après ce sprint final, eh bien, nous sommes en mesure d'annoncer, c'est chaud, mais c'est cela, la victoire du lycée Mamie Fété. Oui, on peut s'essuyer le front parce qu'on a transpiré. Elle gagne de 10 points. Le lycée moderne de Mans à 230 et le lycée Mamie Fété 240. On les applaudit, les filles. C'était chaud, ce sprint final. On se retrouve en plateau pour se saluer. Allez, les garçons, soyez galants, soyez beaux joueurs. Elles ont gagné. Oui, oui, c'est dur. Allez, on rejoint la scène. On retrouvera donc les filles de Mamie Fété très bientôt pour une autre compétition. Les garçons seront, eux, eh bien, sur la route du retour pour Mans. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce match de génie en herbe. On vous retrouve très, très, très bientôt pour d'autres questions afin de tester votre culture générale. Merci beaucoup et à bientôt. Bravo. Oups, désolé.